Excusez-moi. Je suis pas laissé absorber par la musique. Alors. Entre la radio. Toc. Ça va Antoine? Ça va toi? Ça va. T'as changé de tenue? Ouais, je change régulièrement. C'est pas faux. Alors, est-ce qu'il y a un truc sur le Dark Chat? Non. Okay. Pas de réponse. Est-ce qu'il y a un truc sur Twitter? Je crois pas. Putain, je suis encore coincé dans mon téléphone. Bon, attends. Non, attends. Ouais, attends. Ah, ça marche, parfait. Mais voilà. Putain, c'est de la merde ce téléphone, je suis sûr que c'est la qualité chinoise. Bah, du coup, attends, regarde, qu'est-ce qui est ouvert? Que dalle, nickel. L'or. Ah putain, faut que j'aille acheter à bouffer. Vas-y, je t'amène. Allez. Pourquoi tu t'accroupis? Mais je sais pas, à chaque fois je m'accroupis, mais je sais pas pourquoi. Mais je suis pas ton roi, hein, t'es pas obligé de t'accroupir. Bon, ça a été hier soir après que je sois parti me coucher. Oui, tranquille quoi. C'est quoi, vous avez... Bah après, du coup, Lisa est venue et du coup, elle avait une comète et bah, du coup, on est parti faire un peu de rallye dans le nord. Ah oui, on est arrivé dans le nord pour faire réparer la comète parce qu'elle a fait un vol plané et tout ça. Mm-hmm. On s'arrête à la truc pour réparer dans le nord et là, on voit 6 et une autre voiture jaune, puis on voit un Camacho jaune exploser au milieu de la route. Et la station essence explosée. Bah, ils ont dû pas freiner à temps, je pense. Ouais, non, mais du coup, on va voir. Et là, on voit bah, tous les Vagos avec Luna, pantalon jaune. Ok. Et 46 qui était là avec sa voiture là, de merde. D'ailleurs, j'ai pris en photo parce qu'il crèche pas loin de Wazel. Ouais. Et elle était à l'extérieur sur le parking. Du coup, j'ai pris en photo avec la plaque et tout. Ouais. Et du coup, il était là aussi, parce que à mon avis, il passait par là, tout ça. Et du coup, bah, après, on s'est arrêté, on a regardé. Et en fin de compte, il y en a un des chez Vagos qui a fait boom avec le Camacho. D'accord. Mais du coup, l'info, c'est que Luna est peut-être, elle les a peut-être rejoints. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Je sais pas qui c'est, Luna, moi. Une meuf qui travaillait à Wesel, cheveux gris. Après qu'elle est partie du Wesel, elle est partie chez le Beniz. Ok. Et bah là, elle a quitté le Beniz depuis quelques jours. Et bah, tu sais, c'est la meuf avec les cheveux gris qui arrivait en même temps que les Vagos. Oui, bah, voilà, mais RDB. Tu m'en parles comme si c'était quelqu'un d'important. Non, je sais pas qui c'est, moi. Non, mais du coup, bah, elle était venue juste en mode petite main avec Vagos, mais arrivée là, bah non. Là, hier, elle avait le pantalon jaune et tout ça, puis elle traînait avec ouais, elle doit être une piquignou. Oui. Ouais, bah ça recrute, c'est tout. Non, mais voilà, tu vois, c'est une info importante à avoir. Quoi. Là, faut maintenant, on sait qu'ils sont 6. C'est ça. Enfin, au moins 6, oui. Oui, au moins 6. Parce que y a toujours les 3 autres, là, je sais pas où ils sont. Sinon, il y a la ferme qui recrute. Mais tu sais... Attends, parce que...
En fin de compte, tu vois, j'ai bien lu le code pénal. Mais j'ai le droit de travailler, mais si je travaille, je ne peux vendre que de la weed, par contre. Ouais, mais tu peux pas faire de gros coups. Ouais, mais limite, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc limite, je me tâte à reprendre un travail pour avoir une rente financière. Ouais. Bon, ça se discute, hein. Faut voir si bien autorisé par le très gros code pénal, hein. Faut se renseigner. Mais je crois, hein, parce que du coup, si je vends que de la weed, j'ai le droit. Ouais, mais genre, faut se renseigner, parce que j'ai un doute. Après, oui, je sais pas, comme j'ai déjà un casier, mais Bon, ça y est, hein. t'en as qui recrutent, ils s'en foutent, hein. Bah oui, je sais, non, mais tu vois, je peux retourner au taxi, je m'entends bien avec Jeff, Lisa et tout, donc. Ouais, puis au moins ça se fera des contacts. Ouais, non, c'est une bonne idée. Bah non, mais ça me permet de gratter du salaire, de l'argent, et voilà. Faut aider des tickets resto. Aussi. Ok, bah vas-y, on s'organise ça. Bonsoir. Pourquoi quand on arrive, Hey il y en a deux yo! qui s'évanouissent, on pue vraiment? Bonsoir. Oh non, Ah, ils disent bonsoir. des Oui. choses terribles, c'est pour Ah, ça. oui, non, Ouais, franchement. tranquille. Ah, c'est oui, Je je choque dis pas des ce soir, trucs et pardon. puis les gens tombent, Salut, c'est normal. Coucou. Bonsoir, ça va, Delina? Anna, Tranquille, et Alex, toi? Axel? Yes. Axel, oula. Ouais, ça va très bien quand même. J'ai oublié le dernier. Et Élise. Ah, Élise. Élise, ok. Et toi, ça va? Tout va bien? Ouais, fatigué, mais ça va. Je vous prends 10 burgers, 10 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Ok, Un burger burger. speedy. Je sais pas, je prends juste 10 bouteilles Ces œufs d'eau. au poulet. Ah Tu préfères non, quoi? Poulet, burger au poisson? poulet, burger Bacon, bacon. Bacon, bacon, ok. Et donc carnivore. Ok. Alors je vais m'occuper de la facture, Anna, tu vas aller chercher. Vas-y, 10 burgers et 10 Petit bouteilles doc, d'eau, c'est ça? ouais. C'est ça, burger bacon. On devrait créer un sandwich. Comment dire? Garde, je vais avoir poulet avocat. Ah ouais. Je sais pas, tu peux vérifier s'il y a de l'avocat dans le burger, les Speedy, j'ai un doute. Parce que je sais, Je regarde. Je Alors, sais que ça fait j'ai. 600 $ au total, je te fais la facture. Je sais que j'avais fourni cette idée-là aux anciens patrons. Attention. Aux anciens patrons. Enfin, c'était lui qui avait fait ça. Je sais pas si ils m'ont fait abgainer. Alors, attends. Mais. Je vais te dire ça. Alors, la livraison directement derrière le comptoir. Putain. Non, il n'y a pas de l'avocat. Voilà. Ah, terrible. Non. On va rajouter Et les appels, donc. le j'avais, hein. Mais il me semble qu'on a un truc où on met de l'avocat. Et J'ai voilà. Oui, il y a pas mal de trucs. Ah, c'est le VG. Ah, parfait. Merci beaucoup. Eh ben, bon app, hein. Ah, c'est dans quelque les. C'est dans les. chose. C'est dans les pâtes Bonne végé, on soirée. met de la Tu crème prends d'avocat. rien, toi? Non, c'est bon. J'ai Ok. déjà pris tout à l'heure. Ah, ok. Et bonne soirée, Excuse-moi. tout le monde. Bonsoir. Et tchuss. Ouais. Eh, je le connais, lui. Oui, c'est Emilien. Ah, ouais, il a pris un otage. Oui. Pour la banque. Oui, je pense que ça va être intéressant, hein. Mais faut, comme je l'ai dit, faut voir si c'est bien autorisé, tu vois. Pour se renseigner. Mais aussi, ça peut être pas mal parce que ça permet de faire des contacts, etc. Oui, Tout le petit nouveau qui mais c'est rentre. surtout que je me dis, tu vois, comme le taxi, je peux gratter les 190 $ du quart d'heure Ouais. et les 5 000 $ de prime à la fin de semaine, C'est pas donc. faux. Ça peut me permettre de retrouver un petit palier financier en attendant de. C'est pas la neige non plus. Mais non, mais tu vois, ça permet toujours d'avoir un plus au lieu de 25 $ du quart d'heure, quoi. C'est pas faux. Ah bah c'est sûr, passer de 180, de 25 à 180, c'est un plus, hein. Putain. C'est moi, je me rentre. On n'a rien à voir, le Smith est fermé, je vais acheter mes journaux moi. Ah, essaye les cocktails, je sais qu'ils ont ouvert, qu'ils ont refermé aussi toi après, donc il y a sûrement du monde. Je pense qu'ils sont en livraison, qu'ils sont pas sur place.
Ah bah tiens, on voit du rouge. Allez. Hop là. Pouh. Bonsoir. Bonsoir. Et salut. Wayo. Ça va? Bah ça va et vous? Ça va. Ouais, nickel. Eh, y'a moyen, vous m'amenez à récupérer ma moto vite fait, je sais pas où elle est. Elle est Je l'ai pas laissée à la plage hier. Oui. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez, monte. C'est parti. Ils sont super confortables, les sièges du Akomoda. Ouais. Après, je suis sûr qu'ils seraient encore plus confortables s'ils étaient rouges. Toi, je vais te planter, tu vas voir, il y aura du rouge. Ah bah oui, oui, le sens est rouge. Punaise. Quoi? C'est pas ma faute si j'aime bien le rouge. Moi pas, c'est la couleur du Japon. Mais pourquoi t'aimes pas ça du coup? Oh putain, il écoute vraiment pas quand je parle celui-là. Mais c'est la couleur du Japon. Mais il est pas japonais. Oui. Il est raffiné au Japon mais il est pas japonais, tu vois, c'est comme en France. Les Bretons, les Basques ou les Corses. Comme l'Écosse, avec l'Angleterre. Bah faut préciser. J'ai précisé je sais pas combien de fois. Mais j'ai une mémoire de merde, c'est pas ma faute. On dirait ta sœur, putain. Non, ma sœur elle écoute vraiment pas, moi c'est juste que j'ai pas de mémoire. Non, ta sœur même quand elle m'écoute, elle oublie au bout de deux jours que j'ai 23 ans. C'est parce qu'elle a pas écouté quand tu lui avais dit que t'avais 23 ans. Je suis sûr, je lui redis que j'ai 23 ans, elle me dire putain jure que t'as 23 ans. Non mais oui, c'est sûr. Je sais pas pourquoi son cerveau il bloque sur cette information là. Mais il y a des trucs comme ça. Hein. T'as dit quoi, Antoine? Parce que je pense qu'elle pense que t'es plus vieux que ça. Et je pense aussi, mais je crois qu'elle m'avait dit que j'avais 30 ans. Mais... Tu sais qu'Axel, la première fois qu'elle l'a vu, elle lui a donné 50 ans. Hein. J'ai cru la première fois que j'ai vu aussi qu'il avait 50 ans. C'est les cheveux gris, ça. Ouais. Première fois que je l'ai vu, c'était un Rofil. Je crois. Ah ouais? Ouais, bah avant, il travaillait pour un groupe qui s'appelait... Ouais, il m'avait raconté qu'il avait travaillé pour un groupe qui s'appelait Asgard. Ouais, voilà. Bah justement, il était Asgard, t'as fait pour nous. Ok. Puis après, ils ont ils sont alliés elle est là. Ils sont liés avec un traître et pour faire tomber la manoir et puis après voilà. Ah. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Pas fun. Pas fun du tout. Vas-y, de toute façon, on se rejoint là-bas. Là, yeah, ça marche. Tu sais qui va l'habiter? Oui. Ouais, je comprends aussi, ça correspond bien. Bon, c'est con, c'est qu'ils aiment pas les hispaniques et ils savent ça dans un quartier hispanique. Oui, mais je sais pas, ils vont voir pour couvrir les graphes. Ah, tu peux pas changer les gens d'habitation, hein. Mais tu peux Dis, Kurt. Ouais. C'est pas toi qui aime pas les hispaniques? J'aime pas trop les latinos, pas les hispaniques en particulier. Ouais, mais les latinos, c'est pas toi qui aime pas les latinos, ouais. Ah, si, j'aime pas trop les latinos, c'est tous des fils de pute. Voilà. Qu'est-ce que tu fous dans un quartier latino? Je sais pas, bonne question. C'est littéralement un quartier Vagos Marabunta. Écoute, c'est que ça. Non mais. Bon, après, si tu veux les faire dégager, justement, tu t'installes là-bas pour les faire dégager, bon. Ouais, c'est l'objectif, ouais. Non, c'est pas bon, c'est pas mal. N'empêche, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Bon, bah, je te laisse. On se rejoint à casser. Vas-y, de toute façon, j'arrive, hein, ouais. Ouais. Tu vas faire réparer la voiture? Ouais. Ouais, ça marche.
Bonsoir. Et bonsoir. Ça serait pour une répasse, s'il te plaît, parce que le capot est levé. Est-ce qu'il y a niqué le capot avec une caisse? Oui. On va dire ça, ouais. Je vais regarder. Merci. Alors, elle, c'est qui? Attends. Ouais, elle mange. Alia, je crois. Un truc comme ça. Ok. J'essaie de retenir les noms des gens, mais j'y arrive jamais. Je crois que les colocs de Jeff qui est au taxi. Ouais, non, Jeff, je le connais. Et je vois qui c'est, en termes de visu, en termes de gueule. Ok. Je crois que c'est Alia, mais je suis pas sûr. C'est pas moi qui vais te contredire, mais je crois que c'est Alia, effectivement. J'ai déjà entendu ce nom-là en sa présence. C'est compliqué de faire des gens. Et bonsoir, ça va? Et vous? Ouais, tranquille, tranquille. Ce serait pour une petite répa, s'il vous plaît. Je m'en occupe pas. Et salut. C'est bon, ça va vous faire $200 s'il vous plaît. Ouais. Dites-moi, je prévois d'en acheter une de cette voiture. Est-ce que vous seriez d'accord pour me laisser?